Héros les gars, ça vaut quoi? Ouais, petit stream. Petit stream de soirée. Ça va les farmer de la cocaïne. Récolter! Ouais, ils sont ouf, les animaux. C'est bien, il n'y a pas de voiture. Récolter la cocaïne. En plus, t'es le seul qui lui file de la bouffe en ville, donc si tu T'as es fait né ce que... ado. Vas-y, toi. Bon, ça va tranquille. Tranquille. Aslan, si t'as envie de manger chez Ginette, vas-y, hein. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Peut pas y avec des sandwichs. Il a pas d'argent aussi pour s'en acheter. Y a pas dedans, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà employé des sandwichs, c'est pas terrible. Hein. Non, mais on me reproche bon, allez, d'avoir là, dit allez, allez, allez. Oh, arrête, t'as fait On la arrête, gueule on là. arrête. Dans le forum. On arrête. C'est bon. On, per personne rechaîne. Allez, hop. J'appelle Nolan. Vous reportez en GoFast, vous? Oui. Titi, le type, il fait quoi là? On Ouais, attend du coup? pour le moment, pas de réponse. Donc, en gros, il m'a dit pas de problème. C'était juste pour te dire que j'attends de voir mon gars pour lui en parler. Il devrait pas tarder. Il m'a dit ça là, à 20h45, il y a 10 minutes. Donc, au pire, nous Ok. on peut partir sur de la récolte. Et puis, Nous, on va faire un van de récolte. Après, on va faire une livraison. ouais, livraison de quoi? Mano, Ah, ouais, Mano. ah, c'est cool ça. Et après, on verra ce qu'on fait. Mais on essaye toujours d'avoir une équipe Qui fait go quelque chose fast. quoi. Ouais, Ouais. ok. Moi, autant je reste en récolte, comme ça à tout moment je peux me barrer. Mais c'est ce que j'ai dit. TJ. Oui, voilà, Mais en ça c'est. fait, Oui. oui, en fait, tout, Non, enfin, mais je t'écoute Flash. pas, TJ. Hein. Oui, mais ça, je savais bien. Mais ouais, du coup, Flash et moi, ouais, à la limite, on partira à la team récolte. Et sachant que à un moment, il faudra qu'on. Juste, on décale. Suivant Ouais, la non, mais réponse, ça moi peut. En fait, je. suivant la réponse, la discussion peut durer 5 minutes, comme Une la heure. discussion est. Non, la discussion peut durer un quart d'heure et il faudra que vous reveniez, quoi. Ou au moins toi et Jess, tu vois. Ouais. Mais si on peut garder une équipe qui fait quelque Oui, chose, ça bah ouais. m'arrangerait. Ouais, on est De toute d'accord. façon, Ou à la limite, Omar, tu. tu Ou à fais la... go fast, parce que de toute façon, toi, on stame tout ça, vous maîtrisez le truc. Donc... Ou à la limite, Jess, on peut gérer qu'avec Flash, hein. Non, je viendrai. C'est pour ça. Je vous pose la question. Et on Meilleur peut ça resserver. file-t-il? Oui, tu peux revenir si tu veux. Ouais, il y a TJ qui est là, on va partir. Allez, vas-y. Merde. Qui veut faire des go fast là? Tous en même temps. Non, mais au pire, tu désignes et puis basta. Oui, c'est pas le boss. Personne n'a envie de faire de go fast. Mais déjà, Flash et moi, on peut pas. Mais vous Ouais. deux, vous allez venir avec moi. Aslan, go fast ou récolte? Comme tu veux. Super. Bah, Zlan, il est fort en GoFest. Ouais, Il en a mais. fait toute la plaie, mais il s'est jamais fait arrêter. Et en Moi, plus, s'il en a Aslan. fait un, il a eu les keufs direct. Allez, Oui. team URSS en go fast là. Ah non, je parlais avec l'autre con là. Ta Putain, casse gueule, les t'es pas couilles. avec moi de toute façon. Allez, Je vais vous sortir pouvez y aller. la caisse. Je vais ranger la Sultan. Oui, Oui. le wagon, c'était qui l'avait Le truc sorti? hélico? Non, vas-y, tiens, je prends le wagon. C'est Ouais, bon, vas-y. tranquille. T'as les clés du coup, c'est bon? Oui, c'est bon, je pense. Allez, nickel. Bon, nickel. On attend Nolan et puis on va aller Ouais. récolter. Récolter la cocaïne. Ouais. Est-ce qu'on a besoin du Yuga? Ah, bah, du Grumpo, oui. Si on Ouais, est à ouais. 4. Ouais. Mais faut vraiment que Aslan il apprenne à garder son calme. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait exactement? En gros, le mec du Black Cat est venu et Aslan lui parle extrêmement agressivement, tu vois. Ouais. Genre trop agressif. Alors que le mec, on sait même pas qui c'est. Ça se trouve, c'est pas lui qui est passé dans le quartier. Ok, faut leur demander, mais pas sur ce ton-là, tu vois. Après, Et si c'est vraiment un problème, il aurait dû m'en parler avant, au lieu de parler, enfin, d'aller vers le gars, vraiment. C'est trop agressif, en fait. Si on s'en prend aux civils,
On va se prendre la même chose qu'il y a 2 semaines, non? On est d'accord. Après, là, je pense que c'est juste un, comment dire, pas un coup de pression, mais un truc sur le coup, tu sais, histoire de leur faire comprendre en mode... Ouais, mais il y a à faire comprendre et faire comprendre, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a coup de presse et discussion. Mais, et en fait, c'est simple. Hein. C'est comme, tu vois, c'est comme le délire de, comment dire, de lead OP. Il y a lead, je parle aux entreprises ou machin. Bah, en fait, à un moment, toi, tu fais... Enfin, en fait, Aslan, il dit à chaque fois, moi, je veux plus communiquer, machin, je veux pas parler. Sauf que c'est lui, à chaque fois, qui prend la parole pour... Ouais. Pour ça, tu vois. C'est... tu sais où il est, Flash? Oui, c'est vrai, oui, il est là. Ouais, je suis trop obstiné pour moi, par bon Snake. C'est parce qu'il est habillé comme Aslan que t'es comme Gonzalo. Oh putain, de ces villes de merde, tu en es marre. Je le fais bien, hein. Oui. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu. Aslan vient pas du coup. Non, on l'a remplacé par Flash. Je vais lui prendre des soupes du coup. Hein. Quoi? Non, mais vous pensez pas à lui, moi j'y pense. Oui, mais oui. Et prendre des soupes, d'accord. Mais oui, oui. Il mange que ça normalement. Hein. Il s'arrache pas mâchoire depuis des jours. Mais bon. Bah oui, mais quand je lui demande s'il a besoin, il me dit non, c'est bon. Et toi, donc, t'as pas trop mal à le sucer comme ça, la mâchoire? Oui, enfin les gars, mais, à un moment, si le type il peut pas bouffer oui, autre chose que de la soupe, à un moment, genre manger, c'est. Tu vois Flash, vous passez dans le rumpen, on va prendre un peu d'avance, on va passer à la mine vite fait avant. Les clés. C'est qui a sorti le rumpen? C'est Nolan. Nolan, ok. Ça, je sais pas ce que c'est, wesh. Ben, le vagrant, il a. C'est quoi TCC? Tchap, c'est pas le vagrant? Je sais pas. Est-ce qu'il y a les clés du contender? Bah, c'est Oumar. Ah ouais. J'ai notre sac à mail de Oumar, il m'a piqué mon couteau et je vais le flapper. Il est où Oumar là? Hein? Il est où Oumar? En spot? Il est en spot, mais non, parce qu'on n'a pas les clés du contender, je crois. Appelle-le. Donne les doubles clés du rompo, s'il te plaît. Et Didier, tu vas avec le boss. Je vais avec le boss, du coup? Oui. Je dois le ranger pour prendre les clés. Ouais, ouais, ouais. À 20 minutes pour partir, quoi. 20 minutes. Oui, mais c'est pas grave. Moi, une fois qu'on est parti... C'est bon, tu vois, c'est lancé. Gros, ça se trompe, on va devoir cancel au bout d'une run parce qu'on doit aller voir les types, tu vois. C'est pas grave, au moins on a une équipe go fast, tu vois. Enfin, cancel. Non, tu pourras pas cancel, mais vous serez 2 au lieu de 4, quoi. Non, non, mais moi je vais venir, hein. C'est pas. Y'a pas question là-dessus, hein, je viens. Ah, attends, on m'appelle. Oui, Flash. Flash, je t'entends pas. Alors, Jess, t'as vu qu'ils sont partis faire le plein? Oui, mais c'est bon, ils sont à vide. Non, juste c'est pour te prévenir. Si ouais, t'avais pas vu. T'inquiète. Mais c'est bien là, putain, ce soir, il y a quasiment tout le monde, quoi. Il y a juste pas Emilio, mais bon. Pas Emilio, ouais. Emilio en semaine, c'est compliqué. Oui, oui. Bah, après, c'est ouais. Ah, même le week-end aussi, ouais, mais... Flash. Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, ça a coupé là, je t'entends plus. Ouais, j'appelle Nolan. Oui. Ouais, c'est bon, t'as pas de problème toi? Non, tout va bien. Je sais pas, ok. Il voulait dire quelque chose, mais c'est compliqué là, non? La communication. Non, il voulait rien dire. Ah, ok. Je sais pas, il essayait de m'appeler là. C'était pour voir s'il était pété encore son téléphone ou pas. Ah bah, si c'est pas son téléphone qui est pété là, c'est la voix, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est bon. Il capte mal, quoi. Allez, ça marche. Bah, nous, on passe par la Palomino là, on fonce. On passe par la mine. On va passer par la mine vite fait. Vas-y, on se tient au jus. Vas-y, à toutes! À toutes! Pourquoi tu veux passer par la mine? On va voir s'il n'y a pas des PM. Ouais.
coûte rien de passer de temps en temps. On a du produit, hein. On peut l'écouler. Bon, on l'écoule déjà bien, hein. Putain. Oui, c'est sûr. Mais bon. Oui, non, mais après, je suis d'accord. On peut l'écouler encore mieux. Bah après, on a... Tu sais, la PM, enfin, une PM, ça se vend aussi, hein. Oui, non, mais après, on n'a toujours pas recontacté toutes les PM qu'on a dans la... dans le... tu vois. Mais... Oui. Ouais, moi, à chaque fois que je réessaye, les PM, elles sont mortes. Bon, c'est des fossiles, les types. Un camta, hein. On va checker vite fait. Je vais gérer, essayer d'expédier, quand même. Oui, oui. Sauf si le mec est vraiment intéressé ou intéressant. Vas-y, je s'occupe. Et où, mec? Mangeant. T'as où, quoi? Mais où? Bon, ça va, tranquille, tranquille. Ça bosse dur. C'est ça, ça bosse tranquille. Ça fait longtemps que t'es à la récolte, là? 3 jours, je dirais, même pas. 2-3. Ok, ok. Et sur l'île, pareil? À peu près, oui. Ok, ça marche. Et tu comptes faire quoi? Rejoindre une entreprise, des services publics? Services publics, non. Et entreprise, j'ai eu des petites propositions, là et droite, vignoble ou taxi, Venise, ce genre de choses. Ça marche. Mais tu comptes, comment dirais-je, faire métro, boulot, dodo, le toutou et reprendre les barrières le dimanche, c'est ça? Non, c'est pour ça que pour l'instant je suis à la Syrie, je travaille quand je veux, j'arrête de travailler quand je veux. Yes. Je ne suis pas encore engagé. C'est quoi ton nom? John. Ok. Tu viens d'où, John? De quoi? Tu viens d'où? Moi, je viens de Californie. Et où? Oh bah, moi, Liberty. Mais sinon, après, on va dire qu'on est résident d'un quartier en ville. Pour ton information, évite de passer au niveau de Forum Drive, si jamais on t'a pas donné l'info. 90-83. Et si tu vois des gars en vert, t'inquiète pas. Sauf si t'as quelque chose à te reprocher, tu vois. Mais par contre, si tu passes dans ce quartier... Ah oui, je vois. Attends-toi à être accueilli. Mais bon, si jamais... Oh, sait-on jamais, tu sais. Il y a des gens qui se perdent. Des gens qui connaissent pas la route, tu vois. Alors c'est pour ça que je préfère prévenir. Ok. Et si jamais un jour... l'envie te prend de faire autre chose que des quotas dans une entreprise et de faire métro, boulot, dodo. Tu peux envoyer un message au 94 37. Attends, hop. Est un nom? TJ. Un T1J. Tu peux répéter? Ouais, TJ. Avec un T et un J. Les initiales. Ok. Voilà. Et bah écoute, on va te laisser bosser tranquille. La bonne soirée. Eh bien, merci bien. Bonne soirée à vous. On sait-on jamais. Je lâche moyen. Moyen plus. Mais ouais, sans plus. Écoute, c'est pour ça que je me dis, sait-on jamais. Le type, à un moment, il va se faire chier. Non, mais de toute façon, il a dit que... Tu vois, il était pas décidé, machin. Non, il a dit que il était à la Syrie parce que, justement, il avait pas forcément envie d'aller dans des entreprises, tu vois. Ouais, mais il a dit qu'il avait eu des réponses de plein d'entreprises. Non, il avait eu des propositions. Ah, et des propositions. Mais c'est pour ça, écoute. Je préfère lâcher le numéro, le mec a l'info du quartier, la couleur, un nom, un numéro. Et même, il peut filer le numéro à des gens aussi. Par exemple. S'il faut. Attends, je vais appeler. Je vais essayer de rappeler Flash, savoir. Ouais, TJ. Ah, c'est bon, t'as pu la voir en live là. Au coin. Bah, je sais pas, tout à l'heure j'essayais de t'appeler, gros, c'était compliqué, oui. Oui, mais en fait, c'est mon téléphone, il était pas assez sensible au niveau de ma voix. Putain, sale merde.
Et juste pour ça. Vas-y. Vous en êtes où à peu près là, trajet? On est au niveau de l'insup Grabside. Ah bah d'accord. Bah on est derrière. Donc on est passé à la mine du coup. Y a personne. Si, il y avait un type, mais. Il est pas intéressé. Je lui ai laissé mon numéro au cas où. Sait-on jamais, comme on dit. Ouais, c'est ça, sait-on jamais, donc on verra bien. Putain, mais quand est-ce qu'ils vont enlever ces araignées, ces citrouilles de merde, là, la ville? Je sais pas, gros, en tout cas, nous, la citrouille de forum, elle est pourrie, gros. Oh, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Clash? On a failli tortue. Bah, ouais, mais fait... oui, non, mais après, c'est. Faut qu'on trouve un autre chemin, que le chemin qu'on prend actuellement, c'est de la merde en. Non, mais en c'est surtout de la merde quand c'est l'autre fou qui pilote. Bah, non, il fait le snake, il fait le snake avec son putain de rampant. Il continue à faire des gauche-droite. Mais oui, il fait que non, ça. Non, mais faut qu'il arrête ça, vraiment. Mais oui, je lui dis d'arrêter. Non, genre là on est en. On est sérieux, merde. Oui, mais par contre, faut qu'on trouve un autre chemin parce que le chemin qu'on prend, c'est de la merde. Là. Mais y a pas 36 si, chemins. Si, je suis sûr qu'il y a un autre chemin, gros, c'est une montagne. On peut rentrer avant ou après le champ, mais je suis sûr qu'il y a un chemin plus safe que le chemin où on prend. Où... T'es obligé de te prendre une pente de merde et de partir de tes cols là. Oh, non mais Jess, il a enculé un quad. Ouais, c'est eux. Attends, c'est vous. Vous êtes où en vrai? Oui, c'est nous là. C'est, ouais, nous, c'est, vous, c'est nous. On vit de germer avec l'autre fou là. Il parle plus là. Il sait qu'il a fait une connerie, il parle plus là. Oui. Oh, il est concentré, non, il va dire. Ouais, roule tranquille, Jess, parce qu'à un moment il va galérer en vitesse. Faudra justement des yoga de toute façon. Hein. Non, mais c'est ce qu'on a dit, de toute façon, Flash. En gros, la priorité, ça va être avion. Oui. Et custo les véhicules qu'on utilise actuellement. Okay. Yuga, potentiellement le Camacho. Ouais. Mais ouais. Attends, j'ai okay. Un message, Flash. Ok. Vas-y, j'ai Gunther qui me demande de le rappeler quand j'ai 2 minutes. Je le rappelle maintenant. Oui, c'est bon. Vas-y. Je m'occupe de ça. Vas-y. Le DJ. Ouais, yo Gunther. Ça va quoi? Bah tranquille, et toi? Ouais. Vous êtes dispo là? Dispo là maintenant, tout de suite, non. Mais d'ici 20 minutes, c'est bon. Ok, on aimerait bien discuter 2 minutes avec vous. Bah ça marche. Bah écoute, on finit ce qu'on fait et quand on est dispo, je t'envoie un message direct. Pas de problème, ça marche. Vas-y, ça marche. Allez, à toutes. Vas-y, à toutes. Bon, du coup, ils sont dispo. Ouais, on fait cette tournée là, on les voit. Oui, c'est pour ça. Je lui dis, bah écoute, on en a pour... Attends, Flash, t'es toujours là ou pas? Vas-y, j'ai pété mental moi, donc je vois... Mets-toi à gauche à la limite et laisse Yuga à droite. Ouais, je vous laisse la place. Oh putain! Ne me dis pas qu'on est Keblo là. Non, après on vous poussera les gars. Allez, on n'est pas Keblo les gars. Non, putain, mais je suis bien garé quoi, c'est tout. Hein. Oui. On se rappelle, on se colle pas trop au coffre du Yuga. Même si là il est dans la montée, mais. Bah là il est en descente là du coup le Yuga. 1800, je pense qu'ils en ont pas pris depuis qu'on est venu. Juste pour info, Gunther m'a dit qu'il était dispo, je l'ai rappelé, je lui ai dit on en a pour à peu près 20 minutes et on. Bonjour. On verra. Et il m'a dit ouais, on serait intéressé pour vous parler. Donc à mon avis, son type est là. Ils hésitent, mais... je pense pas qu'ils hésitent. Je pense qu'ils veulent juste... De toute façon, c'est pas décidé, en fait. Oui. Enfin, s'ils prennent ou ils prennent pas, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Oui, non, mais pour moi, je pense qu'ils veulent nous voir parce qu'ils veulent prendre leur décision ce soir. Tu vois. Bah, de toute façon, on leur a dit de la prendre ce soir. C'est ça. Et du coup, vous êtes sûr à 100% quand ces journées? C'est un test. De toute façon, ils auront un test. En fait. Ils auront un test, on ne les intègre pas tout de suite. En fait, nous, dit que c'est pas des keufs, quoi. Oui. Non, bah parce que. Ouais, bon. En fait, si tu veux, le type, la Gunther, ça fait. C'est un ancien. Il y a 5 mois au moins qu'il est là-dedans. Ça fait 6 mois qu'il est dans le. Comment dire? Qu'il travaille.
qu'il était indé, il est rentré dans un groupe, mais le gars, enfin, ça fait... Voilà, du coup, il est confiant, lui, mais l'autre, du coup... L'autre, bah, l'autre... Il est dans le groupe, de toute façon, on leur demandera, hein, mais il est dans, leur groupe depuis longtemps, je pense. Vous connaissez, quoi. Vous. Non, pas vraiment, non. Le Chuck, je le connais pas. Non, mais gros... C'est pour ça qu'on prend une période de test, quoi. En fait, il y a un test, et en soi, on a besoin de gens. Et là, c'est... Comment dire? Et du coup, pendant la période de test, ils vont voir le champ, tout ça? Non. Oui, alors si. Enfin, le champ, oui, mais pas notre assaut. Le champ, ils... Alors, par contre, une règle... Ça va ils être vont, une règle... Ils vont pas être sur le champ. Laissez-moi parler. Ça va être une règle non... on peut pas la transgresser. La rue où il y a Alissa, ils n'y vont pas. L'antre, ils n'y vont pas. On ne parle pas d'Alissa quand ils sont là. Ni des tarifs. Ni des tarifs exacts. Les tarifs, à la limite, on s'en bat les couilles, mais de toute façon, ils n'auront pas accès à la compta. Ça va être... Ça va être taf. Ils vont faire de la récolte avec nous. Ils vont faire des transferts. Si, par exemple, on fait des trucs à l'aéroport, ils vont... comment dire? Ils vont faire les allers-retours avec... Non. Pas en avion. Oui, non, mais justement, au sol, je suis pas fan. Mais tu veux leur faire quoi, alors, pendant ces... Ou des go-fast? Pour moi, c'est... Des go-fast en chouf, à la limite. Des go-fast en chouf. Oui, pour moi, c'est go-fast, okay. Oui. Donc, voilà. Ou alors tu les envoies faire des sup et des yes pendant qu'on occupe Atenso par exemple. Tu leur fais refaire ce qu'ils ont fait depuis des mois. C'est bon, ça sert à rien. Et du coup, niveau présence, ils sont bien? Bah écoute, on va en parler ce soir. Là. En fait, si leur réponse est positive, on en parle ce soir. C'est deux types en plus et accessoirement, c'est deux types qui, ça fait plusieurs mois, qui se sont retrouvés à deux, qui continuent à bosser. Notamment Gunther, lui, il était indé depuis un moment. Il a intégré un groupe qui s'est cassé la gueule. Tout le monde est parti et ils sont plus que deux à être encore là, solides, à tenir. Donc pour moi, c'est des mais gars ils sont, qui, déjà. Ils sont trois, mais il y en a que un de confiance. En c'est ça, Gunther. Pour moi, déjà, c'est un mec. Il a du mental parce qu'il est toujours là depuis plusieurs mois, alors que les autres autour, tu vois, ils sont plus là du tout. Ils s'en battent les couilles. Donc moi, pour moi, si on le prend, le mec, il va être surmotivé. Parce qu'il a tenu jusque-là, il a du mental et il va se donner, tu vois. Mm. Et l'autre, Chuck, il nous a dit... Alors, vu la personne qui est Gunther... Mais il a l'air solide ou pas? De qui, Gunther? Les deux. Non, mais l'autre, non, mais c'est ce qu'on t'a dit 8 fois, l'autre, on l'a pas vu, en fait, mais il lui fait confiance. Il a dit, c'est la seule personne en qui j'ai confiance. À un moment, il faut se fier à des feelings et des intuitions. On a besoin de gens. Ça fait des semaines que tout le monde nous pète les couilles avec on a besoin de recruter. Bah là, on... De toute façon, s'il n'y a pas de bon feeling pendant la période de test, c'est ciao. C'est ça. Et en fait. on leur donne pas. Test prolongé, et puis voilà. Comment ça? On leur donne pas toutes les informations pour que nous, on soit baisés derrière si jamais on les garde pas en test, tu vois. Oui, il faudra être strict. C'est pour ça. Et on tape sur le gars de chez nous qui se trompe, qui fait l'erreur. Ah oui, on est d'accord. On tape très fort. Oui, on est d'accord. Ok, il faudra bien parler à tout le monde du coup. Oui. Que ça tape très fort s'il y a de la merde qui est faite là-dessus, quoi, parce que c'est très important les infos qu'on donne. Mais... Très important. C'est simple. De toute façon. Il reste 1 kilo dans le van. De toute façon, on va aller les voir. On va aller les voir là juste après. Suivant la réponse qu'ils nous donnent. On va dire à tout le monde de faire un retour quartier, sans que Gunther et son pote, si jamais c'est oui, ils viennent. On fait le point, on met les choses au clair avec tout le monde, et on les fait venir. Et on sera combien du coup, si on en a les deux en plus là? 10. 10. Ok, c'est noté. En comptant Emilio, même si Emilio en ce moment c'est compliqué un peu, mais... Bon, je trouve qu'il arrive à se décaler. Mais le week-end, il a été là, ouais, la semaine un peu moins, mais voilà. Donc, avec eux deux, on serait 10. Donc, on passe un cran au-dessus et ça permettrait encore une fois de travailler plus vite, de faire plus, d'être plus à différents endroits. Typiquement, si eux ne font que de la récolte et du chouf de GoFast, ça permet à d'autres d'aller faire autre chose, tu vois. D'aller faire de la transfo, d'aller faire de la récolte. Je pense qu'on est tous d'accord, TJ, t'as pas besoin de... Oui, mais je préfère le redire, parce que j'ai l'impression qu'on me pose beaucoup de questions, alors que j'ai déjà dit, tu vois. Mais tranquille, après, moi, ça me dérange pas de me répéter 20 fois, je m'en bats les couilles.
Tu peux te répéter, s'il te plaît. Nique-toi. Moi, je vais avoir fini, là. Moi, c'est bon. Et que le tender est full ou pas? Oui. Moi, je suis full aussi. Et ben, on est bon. Je crois qu'on a tous fini en même temps. C'est beau. Oui, les mêmes équipes, le Van, comme d'hab, Grapsid et Contender Lost. Allez. Tu peux monter, TJ, ou... Tu veux que je bouge? Je m'en promis. C'est bon. T'es sûr, hein? Oui, oui. Ouais, c'est bon, je suis dedans. Ouais, Omar. Ouais, ça marche. Nous, on décolle de l'arrêt. Quelle couleur? Et ça marche. Ouais. Nickel, cimer de l'info. Nous, on est au quartier d'ici 2 minutes. Pour plus de 2 minutes. Vous en êtes où, côté go fast? Ok, ça marche. Vous voulez continuer ou je... Vas-y, parfait. À toutes. Ok, apparemment il y a du monde chez les Scorpus. C'est-à-dire du monde, hors du monde pas Scorpus qui est chez les Scorpus, tu vois. Ah oui? Il y a un 6-6 full black, des mecs fusils à pompe et tout. Oh putain, énorme. Oh putain, ça y est, ça va être la guerre pour le quartier de la Triade, gros. Ça se trouve, les Yabai, ils sont réveillés. Non, ça se trouve, le 6-6, c'est Ballas. Ils viennent mettre les termes. Ah ouais. Après, 6-6, bon, après 6-6, tout le monde peut en acheter un maintenant. Hein. Ouais. Mais bon, avec des armes, ça réduit les possibilités à. Après, ouais, full black, je sais pas. Bah, je sais pas, ça se trouve, t'as les Vagos qui ont un 6-6 noir, la Mano qui a un 6-6 noir, les Los qui ont un 6-6 ouais. Noir. En fait, t'en sais rien. Les Vagos, c'est pas forcément du genre à avoir des trucs pas de leur couleur. Bah, les noirs et jaunes. Ouais. Allez, soyons fous. Il faudrait juste dire aux autres d'éviter, du coup. Oui, par contre, du coup, il y a qui en GoFast là? Il y a Aslan, Umar et. Et Rustam. Et Rustam. Oui. Ouais, beau gosse. Vous pouvez revenir au TX et stand-by genre 2 minutes après votre GoFast. Oui. Parce que nous, on va aller au rendez-vous avec. Voir les deux types là, Gunther et Chuck là. Oui. On aimerait juste mettre les choses au clair sur certaines choses à faire, s'ils disent oui, sur la manière qu'on va adopter de faire certaines choses. Tu vois, des trucs à éviter de dire, de faire, oui, de oui, parler. Parce que voilà. Entre les sup et ce qu'on fait maintenant, c'est un peu différent. Exactement. Hein. Donc on va faire un retour quartier, on va tout vas-y, expliquer. Vas-y, ben là on va vendre au motel et puis on va sur le quartier. Ça marche, hein. Nous on est sur le retour de toute façon de la récolte. Vas-y, à tout. Bon mais nickel. Ouais, bon mais tu vois, mon mari est d'accord avec moi. Et en mode oui, mais parce que entre les sup et ça, c'est un peu différent le taf, tu vois. Oui. Oui, et puis il n'y a pas que le taf en soi, tu vois. Oui. Il y a le taf, tout ce que ça représente, tout ce que ça implique. La préparation surtout. Et les heures qu'on met dans la transfo, gros. La transfo, c'est insupportable. Bah, la transfo, c'est insupportable, mais gros, quand on aura un avion. Bah c'est sûr, gros, si tu fais par 200 feuilles, c'est plié en 2 secondes. Hein. Mais en fait, je sais pas. Alors, pour moi, un avion, je pense, ça doit être dans les 100 kilos, je pense. Aux alentours des 100 kilos, tu vois. Bah, déjà, rien que 100 kilos. Un petit, kilos, ouais. Après, est-ce qu'un jet, tu peux pas mettre 500, tu vois. Oui, après, un jet, faut, comme on disait, il faut pouvoir le faire atterrir. En fait, l'avantage des petits. Que ce soit le Vélum ou même le Dodo, c'est que c'est des petits trucs, donc tu peux. Les faire atterrir et les faire décoller sur des endroits un peu tricky. Ouais. Là où un jet ou des trucs comme ça, ça va être impossible en fait. Genre la plage, tu peux pas. Tu vas juste les niquer en fait. Oui, c'est ça. Le truc, c'est trop long, c'est trop fragile. Tu vas l'enculer. Alors que le dodo, le Vélum, c'est des trucs un peu plus comment dire. Mais full aéroport, oui, full aéroport, le jet c'est bien. Oui, voilà, ouais, par exemple. S'il y a de la contenance. Mais s'il y a 200 kilos ou 100 kilos dans un jet, ça vaut pas le coup. En fait, après, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que regarde au niveau timing, entre bon, le Vélum, le dodo, je crois qu'il est plus lent que le Vélum. Mais tu vois, regarde. Ouais, le dodo, c'est lent. C'est lent. Bah, ouais. Mais après, ça nous laisse aussi le temps pour les transferts.
Genre celui qui charge et qui décharge, qui fait l'aller-retour, qui met de l'essence, tu vois. Ça laisse un peu plus de marge. On est peut-être un peu plus long sur les trajets, mais par contre sur la contenance, parce que tu rajoutes tes poches plus... je sais ce que tu veux faire. Allez, oui. Chez. Ouais, non, on voit rien. Si, non. Bon, on voit rien. Avec les il y avait juste une courroie derrière, je crois. Ouais. Dommage. Putain, curieux, quoi. On est full cook et l'autre... Hey, qu'est-ce qu'ils font, les Scorpus? Ah oui. Ah oui. C'est quoi, c'est... Non, mais tranquille, l'hélico, là. Qu'est-ce qu'il branle? Il se met face au Tiex là, l'hélico. Hein. Attends, tire pas. Essaye de prendre des photos pour voir qui c'est. Ouais, tu les as vu les 6-6 là? Non, j'ai pas vu, j'ai entendu mais... Les 6-6 qui sont passés sur Carson, je sais pas ce que c'était. Je me demande si... Mais c'est pour ça que je t'ai dit de pas tirer, parce que si c'est nos boss ou je sais pas qui... Tu vois... Mais l'hélico c'était... Oui je sais, c'est un Maverick, c'est un hélico civil, mais c'est ton... Non mais je crois que c'était celui qui était sur la course Vagos. Sur la course Vagos? Ouais. J'ai pas vu. Il y a longtemps, j'ai pas vu les couleurs. Mais c'est pour ça. En gros, c'était blanc, noir et jaune. J'ai gueulé, mais je pense que tu m'as pas entendu. J'étais en mode prends une photo, tu sais qu'on voit qui c'est. Ouais, non, avec j'avais pas téléphone. Le temps de toute façon. Temps que je montais sur le toit, c'était. Ouais, bon, vas-y, laisse tomber. Mais oui, il vaut mieux pas tirer comme des totos directs parce que c'est là. Oui, après, le mec, s'il se remettait face au quartier, tu vois. C'est ça. Et puis en plus, là, on a des feuilles de coca à décharge là, donc. Ouais. Vas-y. On est en train de décharger le van qui est arrivé. Vas-y, j'arrive. Tu l'as garé où, le container dessous? Ouais. Comme d'hab, tu sais. Oui, l'abri. J'arrive. Vas-y. Oh putain, j'ai encore la coke sur moi là. C'est vide. Ah putain, un grillage de mort là. Tu le ranges ou pas? Tu peux le ranger, oui. C'est vide.
En face de moi, je sais pas d'où ils sont sortis. Bah, tu leur donnes rendez-vous. J'aurais envoyé un message rendez-vous chez vous, point d'interrogation. On fait ça chez eux et si la réponse est positive, on bougera au TX. Ouais, on bougera au TX après. Mais il faut juste que. Ouais. Dès que tu vois des gars, dis-leur de rendez-vous devant l'entre. Qu'on en discute. Ouais, vas-y. C'est parfait. Ah bah nickel. Parfait. Putain, le timing incroyable. Il y a les flics qui te l'aiment. Oui, mais parce que, mais en même temps, vu la photo que tu m'as envoyée, oui. Bon, bref. Il nous manque Roustam. Ah oui, Roustam, putain. Il arrive. C'est oui, notre faute. Est-ce qu'on irait pas sous le porche Ouais, vas-y, oui. Avec l'appui. Oui. Juste où. Le stade qui est là. Oui. Bon les gars, je voulais vous dire que les payes sont de plus en plus petites. Ah bon? Ah bah moi, tout à l'heure, c'est Oumar qui m'a payé, m'a donné 199 dollars. Ce bâtard. Il était comment fait ce petit? Yes, 2600 dollars sur moi, donc ça va. Ouais. Les gars, ouais, deux secondes. Oui, vite fait, on fait le point. On va aller voir les deux gars là, Gunther et Chuck, pour qu'ils nous donnent leur réponse. Si c'est oui, on va avoir quelques règles avec eux. C'est-à-dire que ils rentrent, mais ils rentrent en test, comme tout le monde, une semaine. La seule différence, c'est que là, actuellement, c'est la première fois qu'on a des gens qui vont rentrer en test chez nous alors qu'on a un bise. On a des choses que s'ils sont en test, il faut pas qu'ils sachent. Donc, Alissa, ils la voient pas. C'est simple. La rue est là-bas. Ils y vont pas, sauf si quelqu'un leur demande. Sinon, ils y vont jamais d'eux-mêmes. Si vous en chopez un des deux dans la ruelle, il prend une branlée et il dégage. C'est clair, net et précis. Ensuite, c'est Omar qui met la branlée. Ensuite, deuxième point, donc Alissa, on leur en parle pas, on n'en parle pas quand ils sont à côté d'eux, on fait pas ah bah t'as, je vais aller voir Alissa. Non, c'est non négociable. La transfo, ils iront pas non plus. Le champ, ils iront sûrement. Et accessoirement, ils feront sûrement du chouf sur des GoFast. Ils feront principalement du chouf de GoFast. Ouais, récolter, on peut les prendre, c'est pas un souci. Ouais, récolter. J'en bats les couilles, le champ, tout le monde le connaît. Je pense. Il y avait un autre truc, je sais plus. Nolan, t'as une question, dis-moi. Oui, quand ils reviennent du champ et qu'ils doivent décharger, du coup, on met le van devant. Soit tu le fais le mec descend devant, ou alors tu le fais descendre. Non, tu le fais descendre au niveau de l'entrée de l'antre là, du portail, et ils attendent là. Et oui, et l'antre aussi. L'antre n'existe pas. Ils y vont pas. Ils vont voir qu'on fait des allers-retours, mais ils n'y vont pas pour le moment. Ils vont là, hein. Sur les canapés là. C'est bien. Ouais. On est ok là. Voir rentrer, c'est juste un appart. On est ok là-dessus. Oui. Deuxième question. Ouais, dis-moi. Quelqu'un a d'autres, non, c'est bon. Attends, il y a des questions. Oui, vas-y, Nolan. Super, avec une paix.
Pour se garantir que c'est pas des keufs, est-ce qu'on ferait pas faire une tâche tous les deux pour montrer que c'est pas des keufs? Genre, je sais pas, il faut trouver une tâche à faire pour eux, mais. Genre ce soir avec elle. Non, pas ce soir, mais avant, après la semaine de test, tu vois, à la fin de la semaine de test, ils font un truc. Ou pendant, tu vois. Pendant la semaine de test. On leur laisse des soirées où ils doivent faire une tâche. Je suis d'accord que c'est bien de leur voir ce qu'ils veulent et tout, mais j'avoue que si on fait pas un gros truc. Après, pas forcément keuf, mais tu vois. Oui, non, mais ok, je suis d'accord avec vous, on va juste pas épiloguer 107 ans, on va aller les voir. Mais je suis d'accord avec vous. Non, réfléchissez-y, parlez-en entre vous et trouvez-moi une idée. Et on se concerte entre temps et puis let's go, on fait. Moi, il y a pas de souci. Au contraire, ça va être pas mal. Comète Safari, ce serait pas des keufs. Bah, t'es mort. Voici, t'inquiète, il y en a un qui a un Rebla GTS. Ouais, mais ça pue la merde. Ouais, non, c'est de la merde, j'allais Rebla, ouais. Oui, bref, ça se trouve, il est comme ça, on l'a pas vu. C'est ça. Mais bref, les véhicules, on s'en bat les couilles. Là, ce qui est important, c'est les gars. C'est... Non, mais on s'en bat les couilles. L'important, là, c'est les gars. Et moi, surtout, la mentalité de Gunther qui. Gunther comment dire groupe, t'as rien. Mais putain, mais quel animal. Laissez-moi finir, bordel de merde. Juste le type, il était. Comment dire il a été. Certes, il a été civil, mais. Il fait de la crémie depuis avant que Jess et moi on s'y mette, apparemment. Il a été indé pendant longtemps. Non, juste après que nous. T'es sûr? Moi, il me semblait qu'il avait commencé avant. Il avait commencé avec Hector qui a commencé juste après nous. Non, il avait commencé avant Hector. Non, il a commencé avec Hector. T'es sûr? Bon, bref, on s'en bat les couilles. Il avait vite fait des trucs, mais. On s'en bat les couilles. Mais il a. Comment dire? Il a déjà bossé, il connaît un peu déjà le milieu. Et faut pas se mentir, il est rentré dans un groupe où. Ça a pas tenu, ça a été compliqué. T'as la moitié des gens qui sont barrés, ils sont retrouvés. Le chef porté disparu, le second chef porté disparu aussi, et ils se sont retrouvés, plus personne. Et en fait, ils ont continué à taffer à deux, et ils ont du mental, tu vois. Genre rester alors que t'es plus deux, je sais pas, ça prouve quand même que il y a quelque chose. Donc on leur donne une chance, on les met en test et on voit. Ils refusent notre offre, ils refusent notre c'est offre, ça, on s'en bat les couilles. On les tue. Pff, non, ils crèveront tout seuls. Oui, ils restent tout seuls. Ils nous prendront de la dope à 180 unités, c'est bon, tranquille. C'est ça. Bon, on est OK là-dessus? Des questions, des trucs? Non. Juste un truc. Aslan, va changer tes tenues, s'il te plaît. Pour la récolte, OK, mais pas pour les rendez-vous. Mais non, mais de toute façon, il y va pas pour le moment. Oui, c'est vrai. Mais là, il y a que Jess, Flash et moi qui y allons. Vous pouvez continuer à bosser. Non, pour le moment. Je croyais qu'on y allait tous là-bas. Non. Mais... En vrai, ce serait bien de tous y aller, non? Oui. Oui. Jess, mais c'est pas ce qu'on avait prévu à la base, en fait. Oui, mais ça sert à rien d'y aller à trois. Ça fait genre t'es trois là. Non. C'est parce qu'à la base, on voulait juste la réponse au truc et après les faire venir. On a rendez-vous chez eux. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est aller les voir, avoir la réponse. On fait un retour quartier et là on leur donne rendez-vous au terrain de baseball. Vas-y, c'est bon. De toute façon, Aslan, c'est un dalmi debout. De toute façon, donc. Oui. L'autre équipe, là, vous me relancez un GoFast. Du coup, c'est ça. En attendant, entre temps, vous pouvez lancer peut-être un GoFast, voire deux. On vous tient au courant. À chaque fois, donc. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ça vous en avez pas réussi un seul? On en a fait un, mais il a réussi, mais il a eu les keufs quand même. À combien? Ça marche. 44. Ok. Ça fait déjà un peu de thunes. Ouais. Allez, go. Bon, allez, feu. Vas-y, on prend quoi comme véhicule Un tout, bon courage, les mains. Ma Sultan, elle est limite. Ouais. Vas-y, on prend ma Sultan. Ça va, Rostam? On est là tous les deux encore. Ouais, je vais pisser. Ok. En gros, il y a plus de véhicules dans mon garage. Il y a pas la pénombre. Il y a plus la pénombre. Il y a même pas la bécanière. Ils ont tout sorti. Je sais pas où ils ont mis les trucs. Nous, il y a une Sultan, un Yuga, le Contender, c'est tout. Petite question, elle est où la Sultan que... Ah mais on l'a vendue, non? La Sultan de merde. Normal. Qui nous restait. Oui, on l'a vendue. Mais oui, je me souviens, j'étais là en plus quand tu l'as vendue. Non mais en plus de pas écouter, tu te rappelles rien. Tu fatigues. Hein. Non, c'est des antidouleurs qui font ça. Omar, je sais pas si vous avez envoyé la photo, mais il y avait le 6-6 noir et blanc qu'on a vu là tout à l'heure qui est passé devant le Chex. Il est allé braquer des Vagos devant la supérette. Des Ballas devant leur supérette. Ils sont quoi? Ils sont au Scorpion? Il y avait du Scorpion, il y avait du Fusil à canon scié. Ils ont braqué un Bala ou des Ballas?
deux balas sur la photo. Marceline a compris ma vanne. Super. Ah oui. Du coup, une BF-400 tire... Qu'est-ce qu'il me dit ? Du coup, tier 1, BF-400, tier 2, Elion, tier 3, Safari, il me dit... Il a fait son classement des sous, il a fait sa liste de sous au Non mais c'est là. Bien, c'est bien, c'est bien, parce qu'il est remotivé, il propose des idées, il fait... Oui, clairement, c'est top. Moi, ça me fait du bien, là, de le voir comme ça. Là. Ah, parce que hier ou avant-hier, là, quand on a eu la discussion, il était en dépression, là, machin... Je tiens là en mode, ça y est, il en peut plus, alors qu'on a de quoi faire des choses très intéressantes et il les voit pas en fait. Et là, ça y est. Yo les gars. Yo les gars. Yo. Yo quoi ? Ça va et vous ? Et yo. Ouais, tranquille, tranquille. Yes. Moi, du coup, je vous présente Chuck. Yes. Ah, c'est le gars dont je vous ai parlé. Ça marche. Il est... intéressé par votre proposition. Pas intéressé. Intéressé. Ah, désolé, j'ai pas vraiment entendu. Ouais, positif. Qui est pas de mes ententes, parce que sinon c'est chiant. Oui. Ouais. Ça pourrait changer tout le cours de discussion, en effet. On est d'accord. Il est plutôt intéressé, alors après... comment vous envisagez notre intégration? Alors nous, c'est très simple. On peut avoir un peu plus de détails. On attendait votre réponse pour vous donner plus de détails. Pour nous, il n'y a qu'une seule méthode à Forum. Une semaine de test. Vous rentrez à Forum. Au moins. Au moins. Vous rentrez à Forum en période de test. Vous n'avez pas la même tenue que nous, mais vous avez la tenue de test. Vous allez faire des choses... Mais vous n'allez pas tout savoir, vous n'allez pas tout faire, mais vous allez voir des choses. Vous allez apprendre avec nous, apprendre à connaître les gens de Forum, nos méthodes de travail. Si ça vous convient, si ça nous convient, que ça vous plaît, eh bien, on vous intégrera. Si ça se passe mal, que ça vous plaît pas, que vous ne nous plaisez pas, chacun repart de son côté. Je vais pas te cacher que ce qui me gêne un peu sur la période de test, c'est qu'on va pas arriver les mains vides. C'est-à-dire ? En termes d'argent, en termes de véhicules, en termes de quoi ? Disons qu'on bosse à côté, donc on a pas mal de marchandises. Bah après, comment dire ? C'est pour ça que cette période de test, pour le moment, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, vous le revendez, vous y touchez pas pendant la période de les test. Les 15, tout vous gardez, c'est une période de test. Juste avec nous, c'est en fait. Ça. Il n'y a rien qui est mis en commun. Sur certains jobs, peut-être qu'on vous payera à la même échelle qu'une petite main, mais ça va être surtout pour voir si le job que nous on fait vous convient, nos méthodes de travail vous conviennent et les gens de Forum vous conviennent. Et à nous aussi. Voir si ce que vous valez, si vous êtes solide. Et après on verra. Ce que vous avez là actuellement dans vos apparts, dans vos garages, on s'en bat les couilles. Nous c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est vous. C'est les chips. Ils sont capables de faire. Si vous, pour vous ça vous va. Et du coup, un peu plus de détails sur le boulot. On vous les donnera d'ici 5 minutes. Tout à l'heure, non ? Ouais. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va retourner au quartier, on va rassembler les gars, et vous allez venir à Forum. Yes. Parler à mon gars de semaine ? Ouais, de toute façon, on vous laisse les 10-15 minutes si vous avez besoin. Ça sera rendez-vous au fond du terrain de baseball. Et au croisement entre Alta Street et la petite ruelle parallèle au canot. Là. Et pouvoir rentrer depuis le parking là, avec le terrain de basket. Non, mais tu peux rentrer par 90-86 la ruelle par là. Ok, bah, je vois. Ouais. Voilà. Au pire, on vous enverra un message, il y aura une voiture qui vous guidera jusqu'au terrain. Parce que on a des trucs à régler avant, en fait. Ça marche. On a des bisons courts, ils ne prendront pas longtemps.
Yes. Enfin, ça serait que dans la soirée. Eh ben, écoute, faut que vous le sachiez. Tu figures. Eh ben, écoute, quand vous êtes dispo, t'envoies un message à Flash, Flash ou Jesse. Moi, je pense que je serai d'ici une heure, je serai plus là. Non, non, mais ça peut me prendre un quart d'heure, comme ça dépendra. Ça marche. De, bah, t'envoies un message au, t'envoies un message aux trois. À Jesse, moi ou Flash. T'as le numéro de toute façon. Ouais. Les trois, il me semble. Bah, t'envoies un message à un des trois, enfin ou aux trois, et tu vois qui te répond. Et on fait ça. Ok. Ça marche. Allez, nickel. Et bien, à tout à l'heure, les gars. Ça marche. Marche. À tout. Ouais, normal. Bon, c'est un gros truc qu'on leur donne. Hein. Ils vont pas dire tout de suite on arrive sans poser de questions. Mais hein. C'est normal. Puis, alors, moi, pour moi, dans... en fait, s'ils ont certaines infos. Pour moi, tu vois, par exemple, vu le quartier dans lequel ils sont, à mon avis, ils doivent avoir du bis-bis avec les Ballas. Ouais, je pense. Je pense, parce qu'ils sont sur, ils étaient sur la plage et gros... ouais, ouais. Pour moi, ils bossaient obligatoirement avec les Ballas, donc... partir en test avec nous alors qu'ils ont du bis avec les Ballas, s'ils ont l'info qu'on n'est pas dans le même camp, ils ont tout intérêt à régler leurs trucs, certaines choses avant, tu vois ce que je veux dire ? Même si la semaine de test est pas concluante ou pas concluante, ils ont raison de faire ce qu'ils font. De régler leur truc, comme ça ils rentrent en ce test et ils ont rien à penser, tu vois. Ils se mettent la tête dans le guidon et let's go. On est d'accord. Sinon, leur cargaison, on peut la faire disparaître. Ça, mais après, on n'a pas d'intérêt. Ouais, ça, c'est, en fait, c'est à eux et c'est avant qu'ils soient dans le groupe. Alors. Certes, après, une fois qu'ils seront intégrés, je pense que ça ira de même que c'est pour le groupe, etc. etc. Mais là, actuellement, ouais. En période de test, tu vas pas demander à un gars que tu testes comme ça. Ouais. Bah, tes voitures, c'est à nous, ta thune, c'est à nous. Et puis, bah, la non, non, que mais tu vois. Sa marchandise, tu vois, t'appelles les gars, tu dis qu'elle a disparu, et puis go, tu vois. Oui, oui c'est vrai que t'as raison, c'est un peu sauter les étapes. Mais c'est ça. Allez, moi, je me prends 5 minutes et je reviens du coup. Et Cyber pour les follow, désolé, en pleine scène là, c'était compliqué. Attends, j'ai Oumar qui me. Oui, qui t'appelle. Qui m'a envoyé un SMS. Essayer de ramener Nolan pour dans 5 minutes histoire qu'on refasse une run. Bah, ils sont en train déjà. Hein? Jess qui m'envoie, essaye de ramener Nolan pour dans 5 minutes histoire qu'on refasse une run. De coco, je pense qu'il veut. Oui, mais ils sont déjà en train. En train de faire de la coco, ah, ou ils font de la coco. Ah, une run de récolte, bah oui, tu veux dire. Bah oui, de récolte. Il est où là, Nolan? Je sais rien, moi. Non, je l'appelle. Bon après le truc c'est que si ça leur prend 15 minutes au type et qu'on est en run Bah oui ça sert à rien. Autant faire des go fast rester au texte Il n'y aura pas transformé aujourd'hui en plus donc Mais t'es où Flash? T'as un pauvre Alissa, tu te trempes la gueule tout le temps là, tu vas choper la mort là, bordel. Bah oui. Oh putain. Sheriff Little. Donc quoi, il s'est fait contrôle? Non, non, chez... non, non, il y a un truc sur Weasel News, portrait présentation du Sheriff Little. Mais qui c'est ce type? Bah je sais même pas. Après, tu sais, nous, on s'en bat un peu les couilles des shérifs. Hein, On s'en compte trop fou. C'est ça. Donc, ouais, intéressant. Je pense que la méthode est la bonne. Et... le truc, c'est que je veux bien, mais... des keufs.
qui sont juste PM, tu vois. Non, enfin, mais je gros, sais pas, enfin, non, mais, non, mais après, je suis d'accord. Mais, non, mais alors, ce qui est en plus le plus marrant, c'est Nolan quand même qui dit ça, alors que c'est celui avec lequel, bon, le van, mais c'est celui qu'on a le plus cassé les couilles, et au final, il est rentré, tu vois. Et t'as tout le monde qui lui casse encore les couilles, et il est en mode, ah, mais si c'est un keuf, on connaît pas, tu sais. Je suis d'accord qu'on connaît pas, mais c'est pour ça qu'il y a une phase de test, et que, en fait, tu vois, c'est bien beau de dire, oui, on baisse nos exigences. Putain, c'est compliqué à dire cette merde. On baisse nos exigences. Voilà, mais genre, c'est un groupe. Ils ont tout à fait un groupe, ils ont... il y a les Vagos qui les ont appelés pour une vente aux enchères. Oui. Juste pour moi, ça c'est une preuve que les Vagos pensent que c'est des types solides. Mmh, mais oui, oui. Donc, ah, un poussé. Il y a un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? On a dû se barrer parce qu'il y avait les keufs. Oui. J'ai toujours le point du Goufasse. Ouais, ça peut arriver. Mais c'est parce que t'as pas tenté... T'avais tenté de... Ouais, ouais. Ah, c'est bizarre. Bah, fais une petite sieste à la limite. Ouais, mais bon, de toute façon, on va attendre quelques minutes et on va avancer. Oui, oui, c'est ce que disait Jesse. Ah putain, c'est ça, putain, il fallait que j'appelle Nolan. Non, non, on s'en bat. Il est là, non, il arrive, il est là. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Vas-y, je vais pisser. Putain, mais il fait que pisser, lui. J'avoue. Mais, t'as une petite vessie, Roustem. Ouais, ouais, non, on boit pas la même chose, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ah, oui, oui. Oui. Il vient en ville, c'est que parce qu'il boit de la bière, sinon il vient pas, ça le déprime. De quoi? Il vient en ville, c'est juste parce qu'il boit de la bière, sinon il vient pas. Ouais, donc du coup, voilà, comme je t'ai dit par message, en gros, on les a vus, ils sont intéressés, c'est juste que, ouais, ils ont des bises en cours. Et ils doivent juste le régler avant de... rentrer même en test. Mais ce qui est normal, tu vois. Et pour moi, en plus, comment dire... sachant que ils étaient sur la zone ballasse, ils étaient vendus aux enchères. Ils étaient vendus, tu vois. Je pense qu'ils doivent, ils devaient avoir quelques bises en cours et du coup, ils peuvent pas rentrer comme ça du jour au lendemain alors que ils ont des trucs en cours. Genre, j'en sais rien, peut-être des liasses sur des territoires, de la dôme chez d'autres. Puis, je sais pas s'ils connaissent encore cette histoire de cartel Benson et Patriot, tu vois. Mais donc c'est pour ça. Ils règlent leur truc et après on est go. On les intègre. On les intègre en test ce soir. Oui, c'est oui. C'est oui, c'est oui. Parfait. C'est oui, juste ils règlent deux, trois trucs. Deux. Deux. Ok. Après tout moment ils vont crever leur patron. Hein. Jess, c'est quoi, leur boss, hein. Mais leur boss est pas là donc tu peux. Oui, c'est 15. 15. 15, ok. Et ben ouais. Dans 10 minutes. Mais à partir du moment où tu lances. Oui, oui. Donc dans 10 minutes. Bon, vous avez déjà ça fini fait pas 5 minutes, là. Si, si, Rostam, il m'a appelé à 45. Ah, ok. Mais ouais, il y avait les keufs. Pendant 5 minutes, plutôt, oui. Ils sont chauds, les keufs, là, c'est ça. Ouais. Ouais, ils sont chauds, bon. Jess, bah, à la limite, si tu veux qu'on... Ouais, tu veux qu'on fasse une run de récolte, Jess? J'aimerais bien qu'on fasse une run de récolte, comme ça, on est tranquille pour la soirée. Ouais, bah, j'appelle... Ils avaient, ils y avaient pas touché de la journée. Enfin, ils y avaient touché une fois, mais c'est tout. En vrai, ils étaient peut-être venus faire... autant qu'on peut, hein. C'est ça, ils étaient peut-être venus faire un van, mais c'était pas. Eh ben, parfait, Nolan est là. Bah, donc on a plus de mètres qu'à le premier, là, après on est tranquille. C'est ça, bah, Nolan, ça. Flash, c'est bon pour eux, c'est juste ils règlent 2-3 trucs de bis de leur côté en cours et ce soir on les fait rentrer en test. Ok. Voilà. Moi j'ai croisé un contender noir qui plaquait des véhicules, Signora. Okay. Et ben moi j'ai croisé un contender qui s'est ralenti et que j'ai doublé. Ah. C'était peut-être le même. Il a peut-être essayé de te braquer et t'as été vif. J'ai été vif. Ouais, c'est bien Nolan. Du coup, bah, Flash, Nolan, moi et Jess, on va repartir en récolte. Au moins une run. Parce que les gars nous ont dit ils peuvent en avoir pour un quart d'heure comme pour une heure. Donc autant en profiter pour pas attendre comme des cons. Donc, et bah, Team Go Fast. Et vous team avez pu rencontrer du coup le deuxième? Ouais, c'est bon. Non, ce qu'on va faire, nous, les quatre là, c'est livraison Mano. Ah putain, tu veux faire la livraison? Mais vas-y. À 4 vu qu'on est là, enfin, voilà, Go Fast, on pourra aller faire. Ah, ça n'arrive pas. Ouais, ouais. Nolan, ta compta, elle est à jour? C'est bon? J'ai 0 de tout. Ouais, ok. Parce que tout à l'heure, t'avais 57 et 20 encore. C'est juste MIO, quoi. Après, c'est juste les liasses qu'il faut livrer, c'est ça? Les liasses, c'est ça. Les sacs aussi. Les sacs aussi. Bah, tu lis dopé. J'appelle. Tu lis dopé ou quelqu'un d'autre?
pour la livraison. J'aimerais bien. Je prends. Oh, tu veux laisser, tu veux pas laisser de l'homme? Non mais vas-y, il m'a raccroché direct à la gueule. Ils étaient occupés à côté. Ah ben. Tu crois que c'était eux? Il y a moyen. Il a raté son créneau, donc go fast et récolte. Allez, c'est parti. Allez, go. On se change. On se change. Et même config que tout à l'heure. Allez, feu. Oh, mais non, mais je veux pas aller avec moi. Tu veux plus avec moi? Bah, au pire, je te fous pas la gerbe. Eh bien. Récoltez la cocaïne. Récoltez la cocaïne. Ouais, oui, tire avec Nolan. Ouais. Vas-y, c'est bon. Oui. Vas-y. Oh putain, j'ai plus de bouffe, moi. Allô. De bouffe et trois boissons et j'ai quoi, j'ai mon couteau, mon œuf, mon bidon, on est bon. C'est bon. Et je vais me prendre à boire, à manger. Je te file les clés, comme ça tu m'attends devant. Vas-y, vas-y. Si jamais, je t'en parlerai dans le camion. Hein? Oui, je te parlerai d'un truc dans le camion. Ouais, rejoins-moi mon parking, je range la Sultan. Oui. Il arrive, il arrive. Non, c'est bon, il arrive. Il arrive, Nolan. Bah, allez-y, hein, vous pouvez partir en avance. On va faire le plan ensemble. Ah bah, nous aussi, oui. Allez, feu. De toute façon, on va prendre l'avance sur la route. Oui. Putain de portier. Oui. Ah, tout à l'heure, j'étais à 200 dans la montée, tu sais, à côté des parcs Ranger. Oui, quand tu faisais des gauche-droite, c'est ça, connard? Non, en Penumbra. Sur le Ah, en Penumbra, ouais. Et attention. Vagos. Bon, on a rien, vas-y. De toute façon, on a rien. On prend quoi, les 9? Vas-y, mets-toi plus loin, au niveau du parking, là. Là, à droite. Le parking, Ouais, c'était le parking à droite, là, au niveau de notre égo. Bah non, mais c'est une sortie, mais bon. Genre là, à gauche, ouais. Donc, tu vois le parking, notre parking, là, à gauche? À gauche, parking, okay. Qui est chez nous, en fait. Oui. C'est bon, ils ont laissé. Ils sont tirés, Appelle-les. Attends. Soit ils sont tirés, c'est moi, il m'appelle. Continue ta route, Nolan. Ouais, Jesse. Ah oui, on s'est fait quebrer le contender, du coup. Vous êtes fait quebrer le contender? Ouais. Putain, ouais. Vas-y, va à la station, Nolan. Non, on est sur le trottoir du TX, là. C'est bon, ils sont partis, en tout cas. Putain, mais casse les couilles. Non, mais vraiment. Ouais, vas-y, retour au quartier, Nolan. On va attendre 5 minutes en dehors du quartier, TJ, quand même. Ils sont partis avec le container, donc ils sont partis à l'opposé, hein, donc on s'en bat les couilles, on peut rentrer au quartier là-dedans. Ok. Ils étaient tous au Scorpion, de toute façon. Ouais, vas-y. Bah, on arrive au check-in. Vas-y, on arrive aussi. Eh bah, quel plaisir. Bah oui, super.
Putain, j'en ai ras le cul, hein. À chaque fois, on se fait... Putain, mais à chaque fois, à la station, j'en ai marre. On fait quoi? On va plus faire le plein à cette station, là? Bah, oui, c'est la solution. En fait, mais je crois que c'est ça. Hein. Mais bien sûr, c'est la solution, TJ. De toute façon, autant on les récolte à 4, là. Nito. Je vais rester, je m'enlève tout l'appui. Oui. Tranquille, on discute. Ok. Comment ça, ils discutent, attends. Attends, ça discute. Avec le boss? Oui, ça discute avec le boss. C'est qui là-bas? Je vais me changer. Putain, mais c'est quoi cette souris de mort là? Yes, oui, t'avais emmené où avec le container? Non, ils ont emmené personne en fait, ils ont pris apparemment... Oui, mais ils t'avaient emmené où avec? Moi, ils m'ont emmené à Observatoire. Ok, vas-y, c'est marche. Il y a plein de keufs qui montent vers le nord. Enfin, ouais, et juste pour info, t'as les... Je sais pas, t'as la mano qui est en face de chez nous et ils ont couché un type, donc... Ok, flic en cours avec le container. Flic en cours avec le container, mais non. Ouais, ils s'en foutent le jaune là-bas. Putain, et les queues sont là. Mais les fils de pute, vas-y, je transmets. Les cas en haut de l'hôpital. En haut de l'hôpital. De quoi? Ah oui, ok. Ouais. Les gars, juste deux secondes. Venez là. Oumar vient de m'appeler. Les wagons sont en train de faire une banque avec le container. Bah oui, c'était sûr. Ça. Mais la flica qui est au nord des docks du LSES. Ok, ça marche. Vous voulez pas, on attend la sortie. Si. Ouais, mais alors s'ils sont fous là, non mais gros, on a des scorpions. Ils ont des scorpions, peut-être un AK-47, on a pas tout vu. On a quoi? On a un Uzi et des. C'est... En fait. Les gars, une balle est une balle, une arme est une arme, et on a Oumar. Oui. Oui, s'ils font. On va se mettre en dispositif dopé comme si on allait les prendre, ok? Allez, nickel. Mais allez, par contre, alors juste pour info, la station de forum, je pense qu'on va arrêter de l'utiliser. Ouais, ça fait deux fois qu'on se fait braquer à cet endroit. C'est à chaque fois qu'on sort de chez nous, on va se faire baiser. On va arrêter de faire des refuels là-bas comme ça. Et accessoirement, je pense qu'on va commencer à s'équiper de gilets pare-balles quand on va faire de la récolte ou de la transfo. Non, parce si, que là, ça récolte station Palomino, tu vois, ou Grabside. Non mais même pour des refuels de tous les jours, on va aller à la station proche des STK, 190-51, ouais. Parce que les wagons, ils refuelent en 91, je sais plus quoi, là. Donc ouais, là ouais, faut... Ouais. Voilà, ouais, pareil. On va aller à celle des STK, on va se faire tranquille. Il y a notre container, un Camacho, une 8. Juste une petite question, qu'est-ce qu'ils foutent là, là-bas, nous? Ouais, qui c'est leur boss, il voulait nous parler, sauf qu'il a coma en descendant du 6-6. Ah merde. Oh putain. Voilà quoi. pas mal, ouais. Et c'est ouais. Quoi, vous êtes fait taper Eux ils font le tour des groupes, en fait, ouais, on s'est fait taper le container. Eux ils font le tour des groupes et ils braquent vide. Tout ce qu'ils peuvent. Là ils ont la Sultan Ballas, mais ils sont allés chez la Piora, il n'y avait rien. Ils veulent pas sortir chez eux. En gros, ils québraient les... Les groupes... cartels. On essaie de récupérer le container, c'est ça le plan? Bah, c'est-à-dire qu'il est devant une flica et il y a tous les flics autour. Donc, oui, je sais pas comment tu vas les récupérer,
Et à la sortie ouais. Oui, oui. Il y a 4 caisses sur place. Un Camacho, une Mitef, un Contender et un autre truc. Mais, c'est, alors, juste... Bon, attends, il finit son appel et on en discute, mais il va falloir vite agir. C'est soit on fait, soit on laisse pisser et on s'en bat les couilles et on s'occupe d'autre chose. Soit je pense que le type de la mano il est pas venu pour nous dire. Non, mais pas par rapport à la mano, je m'en bats les couilles, je te parle du Contender. Oui. Soit on fait un dispositif, on se met en place autour pour casser les couilles aux vagos qui viennent de nous braquer, soit on s'en bat les couilles, on les récupérera plus tard. Et par contre, on fait autre chose en mode OP, transfo ou récolte parce que là les keufs sont occupés. Ah, les récoltes, c'est pas mal. Ouais, sinon, un go fast quand même, non? Ou go fast, tu vois, c'est ça aussi qu'on peut faire. Ouais, moi, je fais quand même assez souvent le Camacho, s'il te plaît. Vous avez parlé en même temps, juste, t'as dit quoi, Rostam? T'as voulu dire un truc? Moi, je l'ai quand même assez chaud pour l'enculer, ces putains de vagos de merde qui nous cassent les couilles. Aussi, hein. Alors, je suis d'accord, hein, les gars. Il va falloir donner des leçons, moi, oui, donner. Je m'en bats les couilles de la thune. Hein. Mais on a rien. Oui, on en a fait, rien, alors, juste. T'as pas vu avec juste, les gars, s'il vous plaît. Genre, moi aussi, j'ai envie de les enculer assez avec les vagos, mais à un moment. Comme avec les keufs, il faut savoir faire le dos rond, savoir reconnaître leurs forces et leurs faiblesses. De quoi ? C'est pas des keufs, les types. Non, mais je suis. Mais justement, c'est pas des keufs. Ils ont des millions, ils ont que ça à faire de nous casser les couilles. On les voit, ils sont full armés, etc., etc. Nous, on est l'outsider, tu vois. Genre, on a tout à prouver, tout à faire. Mais il faut savoir fermer sa gueule, ravaler sa fierté. Mais par contre, pas oublier. Et le jour où on aura la possibilité de leur mettre bien profond, on va leur faire. Mais aujourd'hui, on a du coup. En fait, tu peux pas te faire marcher dessus pendant 3 semaines, 1 mois comme ça, à chaque fois, dire tiens, je te donne mon truc, je m'en vais. Je suis d'accord avec toi, Rostam. Le problème, c'est que c'est un putain de vendeur d'armes en face de nous. Alors, en fait, je vous dis juste un truc. En fait, qu'on les tape ce soir ou qu'on les tape pas, ils nous taperont tous les jours. Oui. Et ça change rien. Oui. Donc autant les taper. Moi justement je suis pas d'accord. Autant pas les taper, on a des trucs à faire. Mais si c'est en fait. On va taper les vagos, il faut une flicker. Et le Contender il est en train d'appeler les keufs, voilà, tu vois, il y a aucune preuve que si nous ils sont tous habillés en jaune, les keufs ça aime bien, et puis si on leur dit que c'est pas nous. Non, c'est pas une histoire de ça, c'est une histoire de principe. Hein. Oui, c'est une histoire de principe, mais en fait les vagos n'en ont pas. Bon. Donc on s'en bat les couilles. Ah putain. Bah non, c'est pas qu'ils en ont pas. Nope, c'est bon, c'est vu avec le speedy pour le Contender devant la boucle. Ok, donc on fait quoi? Bah vas-y, go bosser. Bah, juste, mais le boss de la mano, il voulait pas nous parler. La team go fast, allez-y là. Si le mec de la mano, il voulait pas aller, on va peut-être attendre qu'il vienne dire ce qu'il a à dire. Non, t'inquiète, on temporise la team récolte. Ouais, allez faire des go fast, les gars, comme ça fait rentrer de l'oseille. Ça va perdre chez eux là, de toute façon. Ça se casse. Ça repart chez eux ? Bon, bah, comme ça. Ouais, bah ça se trouve, il y a l'hosto en plus, donc tranquille. Du coup, nous on fait quoi? On repart en récolte? Attends. Tu peux me sortir le Contender Camacho, s'il te plaît? Ouais, on va repartir en récolte du coup. Tu veux faire quoi, Camacho Contender? Camacho Contender, ouais. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Camacho. Bah, Nolan. C'est pas Contender, c'est vrai. Non, mais. De quoi? Bah, ça c'est Camacho et. Non, mais on va faire Camacho et Contender. Non, Camacho et Camacho. Ah putain, oui, c'est vrai qu'on n'a pas le Contender, putain. C'est un Contender, oui. Mais du coup, j'ai eu un flic là. J'aurais dit que c'était notre Contender et. Et comme ça, il le mettait pas à la fourrière, tu vois, quand c'est fini. S'il s'est pas explosé sur le chemin. Ils vont pas le faire péter. Bref, en tout cas, j'ai eu Tom des Vagos et c'était menace de mort directe. Oui, qu'ils aillent se faire enculer. Ça veut pas parler. Oui, non. Mais de toute façon, en même temps, ils ont aucun intérêt à nous parler, donc on s'en bat les couilles. Allez, c'est bon. Bah, je sais pas, nous prendre 20 000 balles ou des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas. Ah, mais ouais, c'est bon. Vas-y. Mais Nolan, Flash, go vous changer. Allez, go vous changer là. Allez, vous changer, ouais. Thank you.
quoi, mec. Bon, là, je me permets d'aller faire le plein à la station. C'est déjà fait braquer sur une banque, donc normalement, c'est bon. Ouais, arrête, après, ça va être les ballasses, gros. Alors là, si c'est les ballasses que je me fais braquer, je pense que t'as le droit de me mettre coma. Juste. Mais par principe. C'est... Je suis au bout, moi, je sais... En gros, le mec, je l'avais vu, j'ai vu le jaune, tu vois, j'ai reconnu la tenue. Je me suis dit, vas-y, je tente, tu vois. T'as tenté quoi? Bah, je pensais que le mec était solo. Ah non, non, mais on les a vus sortir, nous on était derrière, on a vu, ils étaient 4, donc... Bah, le truc, moi, je pensais qu'il était solo, parce que vite tenté et tout dans la caisse, et en fait, ouais. Non, mais ils sont... gros, dès que tu vois les Vagos, ils sont tout le temps tous ensemble. Ils ont tout le temps les voitures full. Ils sont tout le temps des... Ils sont tout en gilet pare-balles, armes lourdes, ils ont les voitures, ils sont 4 dedans, gros. Ouais. Vas-y, j'arrive. Vas-y, conduis, s'il te plaît. Juste 2 secondes, là, parce que... Oui, j'ai cassé la tête. Ouais, on est parti en fait déjà. Vous êtes parti? Bah, nous c'est parti, ouais. Vas-y. De toute façon, le plein est fait donc let's go. Allez, go. Vas-y, c'est pas tout. Fait, hein. Du coup, TJ, tu mets une consigne sur un trap pour qu'on aille refuel vers la STKS du coup? Ouais. Ou alors je vais la rajouter dans consigne et dans la compta et je vais. Oui, mais ils se battront les couilles, tu sais, ils vont pas le dire. Mais tant pis. Mais s'ils appliquent pas, ils se prendront des grands coups de latte dans la gueule et c'est tout. Et bah, nickel. Ils se feront taper, qu'ils feront un ouin, je leur dirai, ben, vous aviez qu'à regarder. C'est quelle banque que je passe pas devant, s'il te plaît? C'est la Flica en 71-93. C'est celle qui est sur Awick Avenue et okay. Au nord des EMS. Enfin, du LSUS. Ouais. Oui, vu. Principe. Oui, du coup, tout à l'heure, j'étais avec un type de la Pievra, là. Oui. Je suis passé à 200, à 1 mm de lui, là. J'ai fait demi-tour pour voir s'il allait bien. Et à ce moment-là, il a pris la pression. Il a vu 4 voitures arriver, vu qu'on était en mode go fast. Ah, putain, oui. Et il s'est tiré. Ça serait bien de taper un peu sur ce qu'on voit, quoi, qui n'est pas, oui. pas patriote. Ah oui, non, on va le faire. On va le faire. Mais en gros, là, vu qu'on est... Imagine, on croise un type qui est tout seul, on est deux, on a le van vide, on tape. DJ. Oui. C'est juste okay. Attends, je finis d'écrire mon message et il faut que je sois dans ma tête 30 secondes là avant qu'on aille récolter parce que... Oui. Putain, il est déjà 22h10, j'en peux plus, bordel. Oui. Ils viennent quand, Gunther, le petit cochon et... Alors, attends. Ils sont pas tenus. On fait... pourquoi son pote le petit cochon? Non, mais c'est... Pas grave, t'as pas l'arrêt. T'as pas rigolé, mais bon, c'est pas... J'ai l'air de moi. Comme j'ai dit, ils avaient des trucs à régler entre eux, avec des mises en cours et tout, et puis ils avaient dit que ça pouvait durer 15 minutes comme une heure, quoi, donc... Oui. Tranquille. Je suis dans mes pensées. Allonge-toi dans le van. Oui, je m'allonge dans le van une minute là et. C'est... Allez, profite. Vas-y. Je reviens, j'en ai pas pour autant.
Héreux. Je suis Al. Oui, c'est bon, oui. Oui. C'est bon, personne n'a essayé de m'appeler. C'est bon, j'ai pas de message, c'est bon. Ah putain, on m'appelle direct. Ouais, Flash. Vous êtes où? On est vers la ferme, là. Ok, nous on monte vers le champ, là. Ça marche. On va spotter, on pourra vous dire, comme ça vous rejoignez tout de suite. Ouais, ça marche. Bah du coup, à la limite, si vous spottez et que vous voyez que c'est clear, nous on... Bah ouais, tu viens on direct, par hein. L'arrivée. Ouais. On passe pas par le chemin de mort, là. Oh non, clairement pas, non. Allez, ça marche. Mais je reste au téléphone avec toi. Ouais, ouais, le boss, ouais, les spots. Bah, il ralentit un peu, Nolan. Continue, roule direction le champ, mais genre juste roule à allure normale. C'est quoi, Easy News, Nolan? Braquage. Braquage! Y'a pas une photo avec le container? Non, y a pas, j'ai pas envie. Ça m'énerve encore plus, TJ. Je qu'on fait rien. Oui, non, mais. Le jour où on fera, vous arrêterez de nous casser les. Le jour. Vas-y, attends, Nolan, c'est par où déjà le chemin où on ressort là? T'inquiète, c'était t'inquiète, derrière t'inquiète. Ou c'est après? T'inquiète. C'est clair. C'est clair? Bon, bah vas-y, ouais. Go. Voilà. Vas-y, nous on arrive par le bas. Il a dit quoi? On a... Oh, quel plaisir. Il est bien gros. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous êtes on est pas 10 km. Oui, on a juste fait... Choqué, là. On était juste sur les vides du côté et j'étais pas dans le bon sens de la gravité. Ah oui. Mais tranquille. Et Nolan qui me dit, oh ça va, on était à 10 km. Oui, mais on était sur le Teco. Ils arrivent, ils étaient sur le Teco. Hein. C'est toi qui as pris un choc. Ah ouais. Je raccroche. Vas-y. Miguel de la Mano, puis Omar. Ok. Mais il t'a vraiment dit, je voulais que vous y alliez dessus. Merde, le burrito, il va pas bouger là. Non, il va pas bouger. Non, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Non, mais je sais plus. Okay, oh, tranquille. Arrête de faire ton boudin là, Nolan. Parce qu'on va pas taper les vagos parce qu'ils nous ont pris un container. Je sais, moi aussi j'ai envie de les fumer. Parce qu'il y a la mano dessus, les gars. Ah bah ouais. Oui, non, mais c'est pas nos mercenaires, la mano. C'est pas nos potes non plus. Hein. Mais en fait, à un moment, il faut se rendre à l'évidence que dans l'état actuel des choses. On peut pas taper les vagos, on a tous envie de taper, mais on n'a pas la force de faire un scorpion. Je sais que ça casse les couilles. Un scorpion et un pistolet lourd, c'est la même chose. Hein, Oui, bon, si tu veux. Tu fais du 8v6, ils ont beau avoir des AK. Si on pointe avec 8 pistolets, ils posent un AK. Du 8v6, mais il faut être 8. Nolan, tu sais très bien que ça marche pas comme ça tout le temps. Bah si, c'est logique de la vie, quoi. Ouais, si tu veux. Mais... Moi aussi, j'aimerais bien Nolan. Mais moi aussi. Mais je... Comment dire? Après, si tu veux aller au casse-pipe, juste parce qu'on nous a piqué un conteneur, si tu veux, hein, mais vraiment, moi, je trouve ça, c'est suicidaire. Hein. Ils font leur banque et... Mais ils je comprends, je suis d'accord que t'aies cet avis-là, je le comprends, mais juste, je te dis que c'est pas le bon move... maintenant, mais que plus tard on le fera sans même réfléchir. Enfin, moi dès que je croise un truc qui n'est pas patriote, je braque, hein, je braque. Hein. Ça me paraît. C'est que là on aurait pu braquer, ça aurait été 84 et puis point, tu vois, mais ça aurait rafale, puis voilà. Rafale dans une station-service. Voilà, tu vois. C'est très bien, c'est bien d'avoir cette mentalité et on le fera. Sauf que là, on n'est pas du tout en position. Mais c'est même pas une question de neuf ou pas. C'est que, oui, sur le coup, ouais, c'est bien. C'est bien, on aura des neufs, ça, on va les fumer. Ils vont revenir après avec Akash et les Parmal, ils vont à Sous-Forum. Mais non, en fait, ils nous taperont tous les jours qu'on les tape eux ou non, en fait. Et qu'on est leur ennemi du coup. Mais c'est pour ça que autant que t'as fait. C'est pour ça que je vous dis que
sur les... Alors, peut-être pas sur la récolte, mais par contre sur le... Comment ça s'appelle ? Sur la transfo, va falloir qu'on change des méthodes aussi au niveau des armes et voir gilet pare-balles. Parce que mine de rien, même si gilet pare-balles, ça... Comment dire ? C'est dissuasif aussi, parce que ça montre que dans un sens, t'es prêt, tu vois. Quand on, nous, on les voit arriver armes en main, gilet pare-balles, tu sais que ça pue du cul, tu vois. Et si nous, on, sur la transfo, on est armes en main, gilet pare-balles, c'est dissuasif aussi. Mais il faudrait qu'on se fasse une soirée descente punitive. Oui, on passe, clairement, et on le fera. Non, mais même, genre, pas dans un mois. Non, voilà. non. Cette semaine, on le fera. Avec, ah, voilà. Avec les types, on va voir ce qu'ils voudront, sur des types en face. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, t'as une façon de tester. Parce que dans une OP où on doit soulever des types, s'ils n'ont pas peur d'aller merci au pour casse-pied, le follow, merci. Entre guillemets. Zelmars. Et on sait très bien qu'il merci faut que tu sais en... que tu peux faire une soirée expédition punitive sans forcément aller au casse-pied, juste en marquant des types. Oui, enfin, tu m'as compris. Oui, je sais, mais... Typiquement, j'avais un mec de Pyrrha qui était tout seul, j'étais parti pour le chasser, mais il y avait le GoFest, donc j'ai pas fait, quoi. Mais je l'ai chassé pendant un bon kilomètre. Ben, c'est vrai qu'il faudrait se faire une soirée comme ça. Et limite, si les GoFast, là, ça marche bien, à partir de 23h, tu vois, c'est ce qu'on peut faire. Et même quand on tourne, ouais, on par exemple, quand on part à la récolte et qu'on est vide, bah, dès qu'on croise... Ok, enfin, parfait, si il est en bon état. Ouais, bah, attends, ils vont nous recontacter de toute façon. Vas-y, à toutes. Ok, apparemment le container est safe aux mains des flics, dans les mains des flics pour le moment, mais... Dommage. Il est full, le Rumpo. Le Rumpo, bon, mais Rumpo, ouais. les deux véhicules sont full. Ouais. Go récolte. Et on se casse. Je serais d'avis, vu qu'il y a eu la banque, de prendre tous les deux le même chemin. La Great. On prend la Great, on récupère l'autoroute et on ressort... On ressort Forum. Vas-y, chaud. Toi, tu vas aller te coucher après Bah ouais, vu l'heure... Ouais. Okay. Bon, et tu vois, ce matin, ça a piqué, tu vois. Je suis couché un peu plus tard, j'en ai chié, oui. Mais tranquille. Au moins, on fait des choses. Pas eu de retour de Gunter ? Non, pas encore. Mais c'est pour ça, j'ai préféré lui... Au pire, je lui enverrai un message, je dirais contact... Ouais. Contact Flash ou Jess quand c'est bon pour toi. Ouais, on va essayer de stocker un max là, ce soir. C'est fini. Ouais. C'est fini aussi. Allez, pour vous aussi, c'est beau. Ah, moi, ça va être bon aussi. Ah bah, tu veux qu'on prenne l'ost ou pas ? Gunter, comme tu veux, bah au pire c'est toi qui ouvre. C'est toi qui ouvre et roule doucement et on te suit. Attends, je vais galérer un peu là. Gunter, il faut d'ici 5 minutes. Donc on rentre, on décharge, moi j'irai me coucher et je vous laisserai gérer leur arrivée. Ouais, ça marche. Restez un peu ou quoi ? Enfin, je sais pas. Attends lui, s'ils ouvrent. Fais gaffe, ils arrivent.
Allez-y, passez. Passe sur le côté. Vas-y, ralentis Nolan et passe Jess. Vas-y, on le suit. Les e-sports, ça a spoté. Là. Attends, je vais rester au téléphone avec Flash. Ouais, pas de panique. Il suit e-sport qui a fait demi-tour. Tu veux pas en break? Ça a fait demi-tour derrière, on se prépare à prendre. Oui, attendez, juste. Oui, on est 4, mais ça se trouve, il y a une voiture en support, donc on reste prudent. On ouvre les yeux, et par contre, si on voit une voiture arriver. On se met sur le chemin dans 200 mètres. Ouais, il est avec moi au téléphone. Appelle Jess, c'est moi qui conduis le camion. Ah, c'est toi qui conduis ? Ok. Ouais, appelle Jess. Ouais, on a bien vu. Hein. Oui, c'est ce que je disais. Si jamais on voit que derrière ça suit au cul, on bloque. Ouais, pour moi ça peut arriver d'en face là, de chez les ghosts. Bah, du coup, prends direction chez les. C'est bon, ça. Prends stab. Prends direction stab. Tu veux qu'on prenne stab ou canyon? Prends stab. Vas-y, go stab alors. On prend stab et ensuite on reprend la route 68 et on récupère la grette. Direction le point ouais. S. Ouais, on va faire ça. Allez. On roule doucement au niveau de chez les Lost et tranquille. Ouais, ouais. On se garde au tel. Oui. Ouais. On se garde hôtel avec DJ, je veux dire. Ouais. N'oublie pas de ralentir devant, il y a un radar là. Ouais, ralentis Nolan, il y a un radar là. Ils ont vraiment. Oui, ils ont un radar devant stable. Ils acceptent ça là, c'est quoi ce truc? Ah non, mais c'est peut-être Eos qui ont dit, mais t'as un radar là. C'est bon, tu peux réaccéder là. Ok. Tu vas aller récupérer la 68 direction la grette flash. De toute façon, nickel, il suit, il prend à droite. Attention, à la radar prochaine. Là. Ouais. Radar à droite, aussi. Quoi. Non, c'est 90. Ok, tant mieux. C'est bon, y a personne derrière nous, c'est safe. Et du coup, Gunter dispo. Ouais, il est dispo. Tu lui as répondu ou je lui envoie un message? Je lui dis de t'envoyer un message. Non, je vais lui envoyer un message. Tu gères? Vas-y, ça marche. Ouais. Allez, nickel. Je lui ai dit qu'on en a pour 10 minutes et. Enfin, rendez-vous dans 10 minutes en gros. Ouais, à peu près, ouais. Vas-y. Allez, il faut penser à recontacter les autres aussi, que tout le monde soit là. Attends, Flash, s'il te plaît, y a TJ qui me parle. Juste, contacte ceux qui font le GoFast pour qu'ils fassent un retour quartier aussi. Qu'ils relancent pas. Tu t'en occupes? Ouais, vas-y, je m'en occupe. Je m'occupe de Gunter. Vas-y. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ou pas? Ah oui, les Vagos, il y en a qui sont fait arrêter, oui. Ah. Mais putain. Là, je vois pas qu'il est ici. Ouais, Omar, vous êtes en. GoFast là? Ouais. En livraison. Ok, une fois que vous avez fini, vous rentrez au quartier et. On va gérer Gunter et Chuck. Vas-y, ça marche. Le contender, c'est les keufs qui l'ont. Ouais, ça va. On le gérera après. Non, nous, on retourne quartier, on dépose ce qu'on a récolte. Ouais, t'as le nez bouché, là? Ouais, je vais aller me boucher, moi, après. Non, mais t'as le nez bouché, là? Oui, j'ai le nez complètement bouché, gros, j'en peux plus, là. Je suis fatigué, là, tout le monde me casse les couilles, c'est là. Tu portes l'avion, ça. Mmh. Ouais, de ouf. Ouais, c'est la pluie, là, gros. Ouais, c'est relancé. Vas-y, c'est bon. J'entends rien avec ce temps. Allez, de ouf. Vas-y. Vas-y, à toute. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Oui, je sais, on aurait pu les braquer. Mais à un moment, Là, on est pas dans le. Comment dire? On n'a pas. Mais c'est pas des keufs qui peuvent nous mettre en négatif. C'est le pire qui peut nous arriver, c'est qu'ils nous rebraquent. Mais ils le feront eux, hein. T'inquiète pas, ils n'hésiteront pas à nous braquer dès qu'ils nous croisent. Je suis d'accord. Enfin, les Vagos, qu'on est pas copains, ils nous braqueront dans tous les cas. Oui. DJ. Non, mais ça, je sais. Non, mais ça, les Vagos, ça. Pareil pour tous les groupes, pas que les Vagos. Mais je suis d'accord. Donc autant en profiter de braquer deux aussi, quoi. Surtout quand c'est une pauvre vie sport et qu'on est 4 avec des 9.
on va dire que on a. Alors certes. Il va falloir se mettre non, dans la tête. Juste, il va falloir aussi se mettre dans la tête que ça fait 4 jours qu'on a un business, que ça faisait 3 semaines qu'il n'y avait personne au quartier, et que du jour au lendemain, on se retrouve à. Oh putain. Ouais, d'accord. On se retrouve à faire beaucoup de choses et devoir revoir complètement notre façon de faire. Donc ça prend du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts, je suis d'accord avec toi, mais crescendo. Mais je suis d'accord avec toi, et on va le faire. Et juste, il nous faut un temps d'adaptation à tous. Je pense que moi je fais confiance à tout le monde pour l'instant. Hein, mais quel fils de pute. Oui. Pourquoi tu fais pas confiance à du monde pour braquer? Mais c'est pas que je vous fais pas confiance à vous. C'est pas une question de confiance, Nolan. C'est une question de. Comment dire? De. Pas de réflexe et de. D'habitude, mais ouais, de manière de fonctionner. Là, pour le moment, en fait, on n'a pas eu encore le souci où c'était. Comment dire? La situation où c'était à nous de braquer, tu vois. Là, ça fait 4 jours, on est sur le bise. 2 fois ou 3 fois, on s'est fait braquer. On n'a pas été dans une situation de force. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On était en surnombre et avec des armes. Oui, c'est ça. Bah, c'était l'instant, là, du coup. Mais c'était la première fois. Et nous, on est encore en mode. Il faut qu'on rentre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je peux te citer 3 situations où on était, oui, du coup. Mais quand? Quel type de pyroïne tout à l'heure? Moi je sais pas, j'étais pas là. Là? Oui. Et même en général, on est souvent 4. Hein, y'a plus de radar? Hein non, y'a plus de radar ici. Putain, j'ai 2 narines bouchées là. Un qui est de bon véhicule. C'est toi qui sais pas conduire. Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais. Je conduis Manu là. Et je suis en mode de mort aujourd'hui. Je sais pas si. Content. Mais écoute, c'est bien, il faut de temps en temps. Tu peux sortir? Ouais, non. Ouais, c'est bon. Ah, bah non. On en a sur nous, de toute façon. Le réflexe de faire le cancel coffre avec échappe parce que avec tous mes soucis de enfin mes anciens soucis de ah un peu de place 7 ouais. Il y a des os. Ah c'est plein oui c'est plein attends Non, vas-y, bâtard, là, si t'es en train allez, de compter, l'autre il est arrivé, bim bam bam. Allez. Putain, nique-toi. On met chez qui? Il n'y a plus de place. Mets chez moi, s'il te plaît. Chez toi? Allez, vas-y. Oui. On laisse les véhicules là, on fait les allers-retours. C'est loin là. Quand même. Oui, c'est loin, mais au moins ils sont pas visibles. Ouais, on stocke chez Jis. Ah. Il n'y a plus de place. Bah oui. Ok.
J'en ai mis 20 chez moi pour rien du coup. Bon, bah, son kill. C'est pas grave, vas-y, laisse-les chez toi au pire. Ok. Je mettrai à jour de toute façon. Vas-y, ça marche. Oh putain. Kamachou vide, c'est ça? Oui, 28 ici, c'est bon. Bah c'est bon, je peux tout prendre. Vas-y, je fais la feignasse comme toi. Moi c'était juste pour aller le remettre devant. Ah. Oui, c'est vrai. Mais la pénombre elle est où du coup? Ah, ils ont dû la mettre chez. Je sais pas. Hein. Pardon. Putain. Ouais. Oui, il va falloir voir avec eux. Ouais. Mais ils sont occupés sur autre chose, quoi. Donc, je pense que tant qu'ils nous rappellent pas, ça veut dire qu'ils sont pas dispo. T'es dans la soirée plus tard. Ah non, la mano. Là, avec Gunther. Ah, Izumi, moi j'y viens, les gars. Je suis éclaté. Allez, là, Zubi, faut que j'aille dormir. Là. Yes. Bah. Eh ben tant pis, Zoubi la bonne nuit, moi je suis éclaté là, j'avoue que j'ai les yeux, pouf, j'ai qu'une envie c'est de les fermer, en plus j'ai le nez bouché là donc j'ai du mal à respirer, je suis malade depuis un moment, je vais mettre un grand coup de pchit dans le nez dans ma gueule, et puis je vais aller dormir, fissa. Allez des Zoubi tout le monde, la bonne nuit. Et puis à demain en RP.